Salut, Dorsey Padenon, CEO de Ubuntu International Tea Company, située dans la très belle ville de Jinan, qui est la capitale de la province de Shandong. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter une usine qui est dans la fabrication de tout ce qui est équipement de cuisine. Donc, je suis avec le sales manager. Je vais la laisser se présenter. Après, on va continuer l'interview. So, hello. Hello, nice to So, meet you. yeah, nice to meet you too. So, can you introduce yourself and introduce Okay. your company for us? Okay, nice to meet you all. I'm Lam, and this is our company showroom. And our company has been in kitchen equipment industry for about 21 years. We have our own factory, and we produce all the equipment here. So, if you want anything, just tell me, and I can give you a good price. Ok, all right. Donc, ce qu'elle a dit, elle a introduit la compagnie. Leur compagnie, ils sont là plus de 21 ans. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est équipement de cuisine. Donc, si vous avez besoin de tout ce qui est équipement de cuisine, vous pouvez nous contacter. On va prendre contact avec elle pour pouvoir vous faciliter. So, yeah, so today, you know, I came here because I have a customer who wants to open a restaurant and then we were checking the product. So, if a customer wants to open a restaurant, like I came today for my customer, what are the requirements that you ask? They will ask about the capacities, the sizes, and some suggestions from us. How about restaurants and how about the markets in their country? They will ask some. Ok, donc moi aujourd'hui je suis venu ici parce qu'il y a un client qui veut ouvrir un restaurant. Donc du coup on a besoin de pouvoir finaliser tout ce qu'il faut finaliser comme équipement de restauration. Donc ce qu'elle a dit, elle a dit avec eux, il y a des requirements. Les requirements c'est la quantité, la capacité de ton restaurant. Tu vas accueillir combien de personnes dans ton restaurant, tu envisages ouvrir ton restaurant dans quel endroit. Donc avec tout ça, ils vont pouvoir te faciliter tout ce qui est équipement. Parce que quand on dit comme pour les endroits, on parle ici. Ils vont savoir si c'est en Afrique ou c'est en Europe, ils vont te proposer des équipements mieux adaptés. Comme au niveau de l'Afrique, la majorité des équipements, ils vont te proposer des équipements à gaz parce qu'ils savent qu'au niveau de l'Afrique, l'électricité n'est pas vraiment trop stable. Donc, on va te proposer des équipements à gaz pour pouvoir te permettre de travailler même si tu as problème d'électricité. Maintenant, après, pour tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, on va beaucoup plus les orienter pour les produits électriques, parce qu'après l'électricité elle est plus stable au niveau de là-bas, donc c'est un peu ça. So, do you have anything to tell us about a company that people have to know? You mean? Like, do you have anything that you can tell us about your company? Like, Our history, yeah. such like we have 21 years history in kitchen equipment industry, and we have our own factory. It's about 3,000 Square meter. square meters, Yeah. and we have about 200 workers here. Yeah, and we sell home and abroad. Yeah. Okay. So what she just say, elle a dit ici, ils sont une superficie de 3,000 square meter, right? Three, 3,000. No. You can write it down Right. like Okay. Write down. Where is the pen? Oops. Like this. Here. Okay. Oh, 38,000. 38,000. So, Sorry. ils ont une superficie de 38 000 km², la factory là où je suis actuellement. Donc, ça, c'est le showroom. Après, on va aller avec elle visiter là où est-ce que les produits qui sont au niveau de cette usine se produisent. How many employees? Like the total employees? 200. 200. 200. Okay. Among like plus the one working the factory, like everyone. Just one factory here, and Okay. yeah, including the officers and the workers in the workshop. Yeah. Donc ils ont une totalité de 200 employés, 200. 200. 200 employés qui se situent au niveau d'ici, qui travaillent ici permanemment. Donc voilà. Donc, so what about the personalization, the customize? Because we're talking about if people define the product, they want to customize the product. Yeah. So how does it work? So you can just give a brief description of Oh how it works. Yeah. We support what is the MOQ, like all these things? Okay, we support customization, but different products will need different MOQ. Such like Poco machine, the MOQ is 50 pieces. 50 pieces. Yeah, if you want to customize your own stickers on the machine and your own logo and the package, we can do that. Okay. So là, elle précise juste, comme j'ai fait une vidéo sur ça, je parlais de la customization. Customization, c'est la personnalisation des produits. Donc, au niveau d'ici, les usines vous permettent de pouvoir personnaliser les produits. C'est comme elle a précisé avec un produit. Et puis, chaque produit a les différentes MOQ. Le MOQ, c'est la quantité minimale qu'il faut commander dans une usine. Donc, au niveau d'ici, dans cette usine, comme les machines de popcorn,
de MOQ, c'est 50 pièces. Donc à partir de 50 pièces, vous pouvez personnaliser l'emballage de votre produit. Maintenant, après, pour différentes pièces, il y a différentes MOQ. Donc, il y a des MOQ qui commencent. Like, I show you one product, you said the MOQ was 1,000 pieces, right? The logo, just the for the logo. Just for the logo, yeah. Yeah. So, pour mettre le logo sur certains produits, on va vous demander de pouvoir prendre une quantité de 1000 pièces. Après, bon, voilà, vous avez un fournisseur sérieux, une usine qui a plus de 21 ans d'expérience, qui est assis dans cette ville-là où je suis là. Et puis, on a une superficie de 38 000 mètres carrés avec 200 employés. Donc, vraiment, c'est du concret. Donc voilà, donc si vous voulez personnaliser les produits, l'équipement de cuisine, vous pouvez sélectionner, il y a une panoplie, j'ai le catalogue avec moi. On a une panoplie de produits ici là. Can you guess like how many products do you have? Do you have any idea? How many products? Any I idea? Don't know exactly because we produce new product every day. Yeah. Oh, okay. So maybe around like more than 500. Yeah. Donc on parle ici, ils ont un catalogue avec plus de peut-être de 500 produits. Voilà, plus de 500 produits. Après, ils produisent des produits presque chaque semaine ou chaque jour. Donc, dépendamment des designers et puis des idées qu'ils ont. Dès qu'il y a une idée, paf, on passe à l'action, on produit le produit. Donc, c'est comme ça que ça se passe au niveau d'ici. I think we are going to the workshop now. Hey, on va aller dans la salle de production des produits que vous voyez au niveau d'ici pour pouvoir vous montrer. Mais après, au niveau de là-bas, on peut pas filmer. Like you say, we cannot record over there because they have some privacy. Yeah, right? The so workshop. Yeah. We can go downstairs, the first floor. Yeah. Donc on va aller au first floor, là où les produits s'assemblent. Maintenant, après, au deuxième niveau, là où est-ce qu'il y a tout ce qui est personnalisation. On ne peut pas accéder là-bas, on ne peut pas filmer là parce que ce sont des secrets professionnels. Voilà. Donc c'est là où est-ce que vous allez voir les packages des gens, tout ce qui sont dans le e-commerce et tout, voilà, et la majorité des gens produisent là-bas. Donc les usines chinoises vous permettent de pouvoir personnaliser vos produits. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une usine. Vous avez juste un bon contrat avec eux. Voilà, eux, ils produisent le produit, ils produisent le package pour vous. Et puis vous, vous achetez juste en quantité. Donc l'obligation ici, c'est la quantité. Donc, une fois que vous respectez la quantité, ils peuvent produire, personnaliser le produit et puis vous envoyer ça. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés dans tout ce qui est cuisine, équipement de cuisine, voilà, c'est avec cette usine qu'ils vont travailler. So if you have anything else to add, you can add before we end the video. Nothing now. Okay. All right. So on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Say bye bye. Bye bye. Bye bye.